Gayoun nan CDO ki tellement important nan kadre enquête là, autorité américaine qui partage avec l'information depuis au début que a bayo, notre caracol obligé pas qu'à révéler non, c'est mercenaires ça qui parlait qui citait non Claude Joseph comme une nan moun qui jouait un gros rôle nan complot assassinat Jovenel Moïse. Nous va attendre Colombien qui fait en pile révélation qui bay détail sous non moun qui participait nan complot way. Les ex-militaires mentionnent le rôle joué par plusieurs politiciens dans ce complot. Dans la première partie, nous les avons écoutés parler de la façon dont ils ont exécuté l'opération dans la maison du président et l'échec de leur tentative d'évasion qui s'est soldée par la mort de 3 Colombiens et la capture de 18 ex-militaires. Dans les 15 heures d'enregistrement auxquelles l'unité d'investigation de Noticias Caracol a eu accès, les militaires colombiens capturés ont mentionné plusieurs dirigeants et politiciens aux autorités comme étant les cerveaux présumés de l'assassinat. Devant les autorités, les ex-militaires capturés ont cité les noms de plusieurs dirigeants et hommes politiques comme prétendus cerveaux de l'assassinat. Derrière le complot, il y a certains personnages déjà capturés qui, selon les détenus, ont tenté de s'emparer du pouvoir en Haïti. Sanon n'est pas un politicien, il est médecin et pasteur d'une église. Ensuite, à la CTU, ils lui ont dit qu'il y a une possibilité qu'un plan gouvernemental devrait être élaboré. Ce témoignage a conduit le médecin et pasteur Emmanuel Sanon, arrêté pour complot en vue d'assassiner Jovenel Moïse, à devenir l'un des premiers suspects. Le capitaine Rivera a expliqué aux autres ex-militaires sa mission supposée en Haïti. Il y avait 3 tâches. La première était de capturer le président, la seconde était de prendre tout le système de caméra et la troisième était quelques valises d'argent. La version des mercenaires colombiens suggère que pour réaliser ses aspirations présidentielles, Sanon s'est allié au pouvoir judiciaire d'Haïti. Tout le système des juges et la Cour suprême de justice était contre Jovenel. Il n'y avait pas de parlement, le pouvoir législatif n'était pas là. Il y avait le pouvoir exécutif, il y avait le pouvoir judiciaire. Et tout le pouvoir judiciaire était avec eux, non avec Jovenel. Cette déclaration correspond à un homme qui était depuis le début dans le complot et travaillait en étroite collaboration avec le capitaine Rivera. À la demande des autorités américaines, nous nous abstenons de révéler son identité puisqu'il est l'une des figures clés pour le gouvernement américain. Gabriel Angel Pretel me dit que nous allons soutenir les autorités haïtiennes dans la capture. L'ordonnance a été signée par un juge, oui, par un juge. Et c'est une femme qui allait se rendre chez un procureur, ce qui n'est jamais arrivé. Personne ici n'a osé exécuter ce mandat d'arrêt parce qu'ils avaient peur du président, parce que d'autres étaient avec lui ou parce qu'ils n'avaient pas les capacités techniques pour le faire. Mais les plans des ex-militaires, selon Rivera, ont pris une tournure radicale car Sanon n'a jamais décollé comme candidat. Sanon allait être candidat. Eh bien, il mesurait sa force, pouvoir. Ils continuèrent dans les mêmes réunions, mais c'était déjà des réunions répétitives. Il n'y avait aucun progrès en quoi que ce soit. They never ever been able to see the reality of the country. Monsieur Sanon n'ira plus ici, et que Monsieur Sanon n'ira plus parce qu'il n'a plus de force. Cet homme n'y va plus. Il n'a plus de force. Personne ne va le choisir du tout. Sanon étant exclu, un plan B a été envisagé. Quel était le plan? Arrêter le président, aller d'abord au palais du gouvernement, et qu'au palais du gouvernement, le diamant a prêté serment en tant que président. Le diamant est arrivé, il a prêté serment en tant que président, et en 72 heures là-bas, il devait y avoir 400 hommes de plus ici. Diamant était le nom du code par lequel les militaires à la retraite faisaient référence à Wendell Cork, une ancienne juge révoquée par Jovenel Moïse lui-même en février de cette année et qui actuellement est une fugitive de la justice. Elle aurait été présente à des réunions clés aux côtés des mercenaires colombiens. J'ai commencé à beaucoup détailler la maison, des photographies, comme des gens au Parlement, oui, comme dans les partis politiques ou tout ça. En fait, je suppose que la femme
qui apparaissait toujours sur les photos était la femme qui se tenait là. Elle était assise là avec nous. Elle n'a rien dit. En fait, elle avait l'air d'être malade. Une femme âgée, maigre, avec les cheveux courts, avec un masque, des petites lunettes et avait une petite robe comme des fleurs. La réunion rapportée par le sous-lieutenant Carmona s'est déroulée au domicile de la juge et s'est déroulée en présence de John Joel Joseph, un ancien sénateur haïtien qui a promis de mettre des gangs mafieux au service des mercenaires. Le politicien est connu sous le nom de Joseph Tui et est un fugitif également de la justice. Un groupe de personnes qui étaient avec le sénateur. Puis du coup, ils sont venus vers nous. Alors, et c'est pour ça qu'on a eu le contact avec Tui. Mais au final, ils n'ont rien fait, c'est-à-dire... Selon les déclarations, Sanon et Diamant n'avaient pas de réelle chance pour accéder au pouvoir. En fait, le projet d'installer l'ancienne juge ne s'est jamais concrétisé. Cependant, plusieurs des personnes impliquées ont fini par avouer qui serait l'alternative supposée pour accéder au pouvoir. Nous avons le commandant en second, Jovenel est renversé et le premier ministre reste. Ils n'ont même pas à faire de plan d'évasion parce que le premier ministre allait les protéger. Et au lieu de les protéger, il les a trahis. Et au bout d'une demi-heure, il avait déjà dit qu'ils étaient colombiens, sans aucune enquête, sans rien. Au lieu d'avoir Sanon, ils avaient le premier ministre, le second commandant dans ce pays. La police haïtienne, les autorités diplomatiques haïtiennes et même l'ancien premier ministre ont affirmé qu'aucun des mercenaires colombiens ne l'avait mentionné dans le cadre du plan. Les indices et les informations recueillies dans le cadre de l'enquête n'ont révélé aucun lien avec le premier ministre. Les investigations en cours ne révèlent aucune trace du premier ministre Claude Joseph. Lié au suspect, toutes les enquêtes n'ont aucun rapport avec Claude Joseph. Contrairement aux versions qui ont émergé, les suspects et les personnes détenues jusqu'à présent n'ont pas parlé dans leur témoignage du Premier ministre ni Claude Joseph. Cependant, les déclarations qui sont en possession des autorités haïtiennes indiquent le contraire. Je suis sûr que c'est le Premier ministre qui l'a fait tuer. En Colombie, des familles insistent sur le fait que les militaires ont été trompés et espèrent se rendre en Haïti avec la commission gouvernementale créée la semaine dernière. Dans les témoignages des 18 Colombiens actuellement emprisonnés dans ce pays se trouve la vérité pour clarifier le seul assassinat d'un président en exercice commis en Amérique depuis près de demi-siècle. Nous sautons nous tendons, nous tirons caracol là en pile extrait, en pile non qui cité, il y a des noms que nous connaissons déjà, même des noms que Wendell Koch, c'est une nom que nous attire l'attention de lui parce que et nous tendons comment que Colombien bail des détails. Nous tendons tout information sur Claude Joseph et moi t'ai pas dit que journal nan niveau ça yo bail information yo et il faut que yo gagne des éléments matériels. Tu avais dit yo gagne audio si yo relé la justice pour moi dire comment faire citer nos premier ministre, comment faire citer nos anciens juges là les ça, yo pas les aller sur audio, oui c'est des témoignages que me gagne que me juste diffuser les ça ou pas gagner pour reprocher des bagages comme ça. Bon maintenant et même j'avais des vidéos me fait avant, on pas commenter. OK, on pas faire commentaire. M'a bien pour me retourner dans l'autre vidéo spéciale côté que qu'on y a ensemble, nous pas analyser tout ça nous trouver qui peut-être semblait avec des failles qui pas cohérent dans déclaration colombien. Sauf que encore une fois, sous Claude Joseph là, moi je dis nous que monde qui parlait là, je ne l'a pas révélé non. Maintenant faut me dire nous que gagner ça c'est information m'a banou. Dans l'opération qu'a Jovenel là, tu gagne 18 Colombiens. Tu gagne 22 Colombiens pardon. Il y a 18 qui ont arrêté, il y a 3 qui mouri, il y a un grain qui sauvé. Mais opération pas seulement gagné 22 Colombiens, tu gagne l'autre. Donc nous pas arrivé qu'on est non et moun sak parler de Claude Joseph là, est-ce que lui fait partie de 18 ça qui nan mais autorité yo ou bien de l'autre que FBI autorité américaine ont rivé gagne contrôle mais que l'état haïtien et la police haïtienne pas connaît qui est lié. En tout cas, yo pas révélé non, mais c'est un élément, c'est un mercenario que États-Unis dans cadre qu'il a accordé en pile importance avec lui. Donc témoin des journal là, pas citer non. À bientôt mesdames messieurs sur Channel Pierre Richard Midi.